prince Philippe, après son accident de voiture, il fait un énorme sacrifice. Quelques semaines après avoir causé un accident de la route, le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, a pris une décision radicale. Depuis le 17 janvier dernier, le prince Philippe est au centre d'une polémique outre-Manche, alors même qu'il a pris sa retraite de ses fonctions publiques en août 2017. En effet, il y a quelques semaines, il a été impliqué dans un accident de la route dans les environs de Sandringham où il séjournait avec la reine Elisabeth II. À bord de son Land Rover Freelander, il a percuté une Ford Kia. Si le prince est sorti indemne de cette collision, la conductrice de l'autre voiture, Emma Fairweather, a eu un poignet cassé. Cet accident a suscité une polémique en Angleterre, d'autant que, quelques jours plus tard, le prince Philippe, âgé de 97 ans, a été vu au volant de sa voiture sans ceinture. De plus, il a fallu que la victime de cet accident se plaigne de n'avoir reçu aucune lettre d'excuse de la part du responsable pour que celui lui en adresse une dans laquelle il s'est dit profondément désolé. Plus de trois semaines après les faits, le père du prince Charles a finalement décidé de mettre fin à la polémique en prenant une décision radicale. Après y avoir mûrement réfléchi, le duc d'Édimbourg a pris la décision de renoncer volontairement à son permis de conduire, ainsi annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué laconique. Cette décision constitue un véritable sacrifice pour le prince Philippe qui a été pendant longtemps pilote de course.